Allez, salut, salut, salut à vous. Voilà, c'est toujours moi, les Amos Pita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo, essayez comme ça de me donner un pouce bleu, c'est-à-dire essayez de liker la vidéo pour que YouTube puisse faire la promotion. Essayez aussi de commenter la vidéo. Si vous avez des questions, essayez de les poser inbox, voilà, pour que je puisse les répondre par une autre vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse des États-Unis. Voilà, c'est la bourse du Minnesota. Donc pour ceux qui veulent vraiment postuler, il n'y a pas grand-chose, c'est les mêmes éléments. En réalité, je ne fais pas trop de vidéos sur des bourses aux États-Unis à cause du certificat en anglais. Voilà, mais si c'est une bourse qui est vraiment réelle, c'est une bourse qui demande plus d'attention. Voilà, je fais la vidéo pour que ceux qui veulent postuler puissent le faire et ceux qui peuvent pas aussi puissent chercher une autre bourse. Ça, c'est pas un souci. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, pour cette bourse-là, les éléments dont vous avez besoin, c'est les mêmes éléments, c'est-à-dire le passeport, votre diplôme plus le relevé de notes. Il y a des formulaires en ligne que vous devez remplir. Donc, comme je vous ai déjà dit, nous sommes à la deuxième phase parce que la première phase s'est passée en novembre, le 1er novembre. Voilà, donc ils ont fini de postuler, ils vont avoir les résultats le 1er janvier ou bien le 31 janvier. Maintenant, ceux qui vont postuler maintenant après la deuxième vague, c'est-à-dire actuellement à partir du 1er décembre, vont avoir comme ça les résultats le 21 ou bien le 25 février. Vous comprenez? Voilà, donc ceux qui veulent postuler, je crois que c'est le moment de pouvoir postuler. Voilà, et j'ai reçu aussi des messages en ce qui concerne vos préoccupations pour la Russie. Parce que vous avez reçu des messages et tout ça, je vais faire une vidéo tranquillement et vous expliquer ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire parce que c'est juste un message. Voilà, vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Donc restez juste calme. Vous avez déjà fait votre dépôt de dossier, donc restez calme, c'est pas un souci. Ok, donc revenons à nos moutons. Comme je disais, pour la bourse des États-Unis, Minnesota, les éléments dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est juste votre diplôme, votre passeport et puis les relevés de notes. Sachez que ces éléments-là doivent être en anglais. Essayez de les traduire en anglais, c'est très important. Pour faire la traduction, c'est très simple. Je vous ai déjà dit, vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères. Là-bas, vous allez pouvoir postuler aussi facilement que vous voulez. Voilà. Maintenant, arrivé là-bas, s'ils ne peuvent pas faire votre traduction, ils vous diront où est-ce que vous devez mettre votre pied pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire vos traductions. Voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les traduire, vous pouvez l'écrire inbox, on va trouver une solution à cela. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ok, donc, comme je disais, en ce qui concerne la bourse du Minnesota, voilà, c'est une bourse qui est vraiment réelle. Donc, tous ceux qui veulent vraiment postuler, vous pouvez le faire sans problème. Si vous avez des soucis, vous pouvez écrire inbox. Donc, les gars, on va pas trop tarder. Et puis, on va essayer d'aller un peu directement. N'oubliez pas, essayez de me donner un pouce bleu. Et puis, à tout à l'heure, les gars. Allez, rebonjour les gars, voilà, donc comme je vous ai déjà dit, c'est le site qui est là. Donc n'oubliez pas, c'est une bourse américaine pour l'université de Minnesota. Donc pour ceux qui veulent postuler, j'ai déjà dit ça depuis le début, voilà, essayez au moins de vite postuler parce que les admissions vont prendre fin au plus tard en janvier. Donc c'est la troisième admission, je crois, ou bien la seconde admission. Voilà, donc pour pouvoir postuler, c'est très simple, et puis voilà. Vous devez avoir quelques documents et puis c'est tout, c'est comme d'habitude, le passeport, les diplômes plus les relevés et tout ça. Donc dans un premier temps, on va d'abord pouvoir postuler, il faut d'abord s'inscrire sur le site. Et puis s'inscrire sur le site, lorsque vous vous inscrivez, c'est pour avoir une admission et ensuite vient la bourse. Voilà, donc sans inscription vous ne pouvez rien faire. Donc pour pouvoir faire votre admission, c'est très simple, vous venez là. Vous voyez là, ici c'est freshman, ici c'est transfert, ici c'est international. Comme vous êtes étudiant international, vous allez cliquer ici. Voilà, donc international. Et ça vous envoie sur la plateforme des étudiants de l'international. Voilà, donc arrivé là, ici, si vous êtes un étudiant par transfert, mais vous n'êtes pas étudiant par transfert. Étudiant par transfert, c'est lorsque, par exemple, comme ça, vous êtes dans une autre localité, par exemple. Dans une autre université et que vous voulez transférer pour venir dans cette université-là.
Voilà, ça c'est pas la peine. Mais vous, vous êtes des freshmen. Des freshmen, ils appellent ça, voyez ça. Ils ont expliqué ici. You are considered a freshman if you are still a high school student or if you have enrolled in any college or university courses after graduating high school. Donc ici, on vous dit seulement que vous êtes considéré comme un freshman. Voilà. C'est lorsque vous venez juste d'obtenir votre diplôme et que vous n'avez pas encore, par exemple comme ça, été dans une université, voilà, ou bien si vous avez eu la licence et que vous voulez faire un master dans une autre université. C'est ça qu'on appelle freshman, comprenez? Voilà, mais ici, par exemple comme ça, ceux-là, ce sont des étudiants qui viennent par transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, dans l'éducation, dans la structure de l'éducation, parfois, si vous êtes peut-être en licence 2 et que vous voulez changer pour aller au cours du semestre, pour aller en licence 3, vous pouvez faire un transfert. Voilà, vous pouvez faire un transfert d'une université à une université qui ont de vraies relations. Donc, quand c'est comme ça va très vite. Vous n'êtes pas obligé de faire encore des procédures et tout ça. Voilà, mais vous, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui vont postuler ici, ce n'est pas le cas. Je considère cela comme ce n'est pas le cas parce que à 99%, vous avez fini votre niveau bac ou bien licence et vous voulez postuler dans une autre université. Donc ici, vous êtes des freshmen. Donc vous allez cliquer ici sur International Freshman ici et ça vous envoie là. Donc voici la procédure ici. Donc avant d'appliquer, par exemple comme ça, on vous dit qu'avant d'appliquer, il faut d'abord connaître l'université et une fois que vous connaissez l'université, vous allez vous familiariser avec l'université. Et ici, regardez très bien, on vous parle du certificat en anglais. Le certificat en anglais, il faudra l'avoir, mais il y a des pays qui sont déjà exemptés. Ça, vous le savez déjà, je fais des vidéos sur ça à chaque instant. Et je vous ai déjà dit que pour pouvoir avoir un certificat en anglais, il y a aussi le site Duolingo. Pour ceux qui pensent qu'ils sont bons en anglais, ils peuvent aller là-bas directement et puis essayer de chercher le certificat en passant le test. Voilà donc. Il y a ceux par exemple qui ont postulé en octobre, voilà, et qui ont déjà eu leurs résultats qui vont sortir peut-être en janvier. Et ici, il y a ceux aussi qui ont postulé en novembre et ceux qui ont postulé en décembre. Voilà, donc ici, ceux qui postulent en novembre, ils auront leur décision, c'est-à-dire ils vont recevoir leur admission le 31 janvier. Et ceux qui postulent peut-être ici à partir du 1er décembre, ici, vont recevoir leur admission le 15 février. Voilà, donc je considère que nous sommes dans la partie 2. Nous sommes ici dans la partie 2. Et il y a ceux qui vont postuler en janvier qui vont recevoir le 31 mars. Donc nous sommes dans la partie 2. Donc c'est pas là que nous allons postuler. Donc c'est-à-dire que nous allons recevoir une décision au plus tard le 15 février. Voilà. Donc pour pouvoir postuler, c'est très simple. Donc une fois que vous êtes admis, vous confirmez que vous allez recevoir un mail et vous allez confirmer. Et ici, comme ça. Pour ceux qui vont faire par exemple, vont chercher le visa pour les étudiants de la licence, vous allez chercher le visa et lorsque vous cherchez le visa maintenant, vous allez leur envoyer vos documents officiellement. Voilà, et aussi les tests que vous avez. Et une fois que vous finissez ça, si c'est confirmé, vous allez directement dans votre université, arriver là-bas. Ceux arriver là-bas, arriver sur le campus, ça c'est arriver sur le campus. Ceux par exemple qui vont avoir la bourse seront en santé, ils vont rien payer. Mais ceux qui n'auront pas la bourse, vous pouvez aussi partir, vous pouvez aussi arriver là-bas. Mais c'est lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez solder leur scolarité. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu la procédure. Donc nous, on va essayer d'abord à savoir comment est-ce qu'il faut postuler. Et puis, on va aussi essayer de... Je vais aussi postuler en même temps que vous. La bourse des États-Unis du Minnesota pour l'université du Minnesota. Donc je vais continuer pour la seconde vidéo parce que j'avais déjà fait une première vidéo. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez voir d'abord cette vidéo là avant de venir sur cette vidéo parce que là-bas j'ai déjà donné toutes les informations sur tout ce qu'il faut avoir avant de pouvoir postuler à cette vidéo là. Et au passage, je voulais vous dire que la bourse de la Roumanie a été lancée, mais d'abord je vais essayer de voir comment est-ce que je peux vous aider à pouvoir postuler à cette bourse-là? Et peut-être demain, voilà, ou bien après-demain, je vais faire une vidéo sur la bourse de la Roumanie pour vous aider aussi à pouvoir postuler à cette bourse.
Voilà, donc pour un petit rappel, voilà les éléments dont vous avez besoin. Il faut avoir un passeport, il faut avoir vos diplômes, il faut, vous n'êtes, pour ceux qui viennent juste d'arriver, vous n'êtes pas obligé d'avoir une lettre de motivation ou bien une lettre de recommandation. Voilà, et surtout ce qui est vraiment primordial, c'est que tous les documents doivent être en anglais pour pouvoir postuler sur cette bourse-là. Donc n'oubliez pas cela, c'est très très important. Et pour tous ceux qui veulent postuler et qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez m'écrire inbox, voilà, ou bien vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi laisser vos éléments pour que je puisse vous écrire et poser aussi vos questions en commentaire. Voilà, donc pour pouvoir suivre la vidéo, essayez de me donner un pouce bleu. Voilà, c'est réconfortant et puis c'est encourageant. Ok, donc je vais comme ça essayer d'aller un peu plus rapidement pour que vous puissiez au moins postuler à cette bourse-là. Donc les gars, à tout à l'heure et à tout à l'heure. Voilà, donc suivez mon regard. Allez, bonjour les gars, voilà, c'est toujours moi de Samo Hospital. Et je vous avais déjà parlé de ce site. Pour ceux qui viennent juste de nous prendre en bâche, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur cette bourse là. Voilà, comme vous le voyez là, c'est pour l'université du Minnesota qui est aux États-Unis. Donc j'avais déjà donné les documents qu'il fallait pour pouvoir postuler à cette bourse et puis comment est-ce il fallait faire. Donc pour cette seconde vidéo, je vais juste essayer de postuler à cette bourse-là pour que tous ceux qui m'ont posé la question puissent au moins être satisfaits et puis puissent aussi terminer leur candidature. Donc on va aller un peu plus rapidement. N'oubliez pas, essayez de postuler et puis les documents que vous allez mettre en ligne doivent être en anglais. Donc n'oubliez pas. Donc dans un premier temps, nous postulons en tant qu'étudiants étrangers. Donc vous venez là dans Apply ici. Vous cliquez sur Apply et là vous allez voir les options pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir essayer de candidater. Donc si vous voyez là, ici c'est freshman applicant, ça veut dire que ça veut dire les étudiants qui viennent juste de finir le niveau secondaire ou bien qui quittent un niveau licence vers un master. Voilà, donc c'est ici. Alors vous cliquez sur freshman application ici. Voilà. Et lorsque vous arrivez là, vous voyez, voici les éléments qui sont là pour les freshman application list. Il y a l'application, il y a les self-report, academic record. Ici, c'est en ce qui concerne le diplôme plus le baccalauréat. Et n'oubliez pas ce qui est important, sans cela, vous ne pouvez rien faire. Cette application, c'est 55 dollars que vous allez mettre dans cette application-là. Voilà, donc vous comprenez, j'espère que vous comprenez. Et ici, vous n'êtes pas obligé de mettre une lettre de motivation. Voilà. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre une lettre de recommandation. Voilà. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Vous allez venir juste là, ici, dans Common Application. Vous allez cliquer là. Et vous allez suivre la procédure. Voilà. Donc, ici, je crois que je l'avais fait depuis auparavant, il y a un peu longtemps, donc on va pas utiliser cela. On va aller, nous sommes des freshmen, c'est-à-dire nous venons juste d'arriver sur les plateformes. On va d'abord créer ici, create an account. On va d'abord créer notre compte, voilà, avant de pouvoir commencer. Donc ici, first year student ou transfer student, education professionnel. Donc vous cliquez sur first year student, ok. Et arrivé là, vous allez créer votre compte. Donc je vais essayer de le faire avec vous pour que on puisse aller un peu plus vite. Donc ici, je vais prendre mon mail qui est voilà. Donc essayez de faire comme moi, vous allez pouvoir postuler à cette bourse là et voilà, c'est tout. Gmail. Ok, je vais savoir. Ici, on me demande de répéter le même mail. Donc, je répète très bien. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez m'écrire inbox. Voilà, on va essayer de s'entraider. On va essayer de voir comment est-ce qu'il faut postuler ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça.
Surtout éviter trop de faire des captures d'écran pour m'envoyer, parce que quand c'est comme ça, c'est un peu gênant. Si je dois faire des captures d'écran comme ça chaque instant pour pouvoir aider tout le monde, c'est vraiment très gênant. Ok, donc pour le password ici, on dit le password doit faire entre 10 et 32 caractères, au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre ou bien un nombre, et au moins un caractère et pas d'espace de caractère. Voilà, donc si moi je dois prendre par exemple comme ça mon mot de passe, je vais choisir un mot de passe pour que ça puisse aller. D'abord, on va prendre un élément majuscule. Alors, je vais prendre par exemple comme ça. Ok, je vais écrire boost. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre un élément en majuscule. Voilà. Vous voyez qu'ils ont coché déjà les deux cases, les deux éléments sont en vert. Je dois maintenant essayer d'accomplir les éléments en rouge. Donc après cela, je prends ce qui est là, je prends le caractère qui est là. Voilà, vous voyez, ils ont fini avec ce caractère là. Donc après ça, ok. Ça reste maintenant comme des caractères, ça reste les deux éléments en rouge. Donc il y a le nombre que je dois prendre. Je vais mettre comme ça 2021. Vous voyez, tout est en vert maintenant. Ça veut dire que ça va. Donc je retape le même élément ici. Ok. Donc après ça, je mets ici mon prénom, mon nom et prénom. Ici, et first name. Ok, donc le numéro de téléphone, le pays, c'est quoi? Côte d'Ivoire. Ok. L'instant qu'ils choisissent, Côte d'Ivoire, je mets le numéro. Ok, donc la date de naissance, étant donné que je viens par exemple comme ça pour la licence ou bien pour le master, je vais prendre le master. Je vais mettre ici que je suis né en 2000, en 2004 peut-être. Voilà, donc on met d'abord on met d'abord l'année, après l'année on met le jour, et on met d'abord le mois, après ça le jour, et je vais choisir comme ça 2004 février et puis le 11. Ok, donc ici je vais ajouter l'adresse, le pays où je suis actuellement. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok, l'adresse, je vais mettre ça. Bon, ils n'arrivent pas à trouver mon adresse. Ici, je vais enlever. Ici, je vais utiliser ça. Voilà. Ils ont déjà des adresses qu'ils connaissent eux-mêmes. Donc, si vous tapez que ça ne soit pas, essayez de voir les adresses qui sont au moins à proximité pour pouvoir les utiliser. Ok, donc j'appuie sur continue. Et ici, j'enregistre. Ok, donc ici,
Are you currently based in Europe Union country? Yes, land of Middle North. Okay, which bed describing you? I am applying for a first student and plan to start college in Nyanya, plan to study college in Tak, plan to study college in Tak. Donc, vous cliquez ici. Aussi, c'est bon. Et là, vous cliquez là et vous créez votre compte avec ça. Voilà, donc, vous créez le compte. Un instant que ça charge. Ok. The following college was added in your college list, University of Minnesota Twins. Ok. Donc, voici, welcome Lutiti. Ça, c'est pour moi. Voilà. Donc, dorénavant, voici. Voici chez moi. Donc, c'est là que je vais commencer mon application et c'est là que je vais commencer. Ici mon admission, tous les éléments dont j'ai besoin pour mon admission. Voilà, donc je vais comme ça m'arrêter là et puis je fais une deuxième vidéo pour postuler à cette admission et aussi à la bourse. Donc à tout à l'heure les gars.